Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un replay de War Thunder et encore un replay de japonais. Décidément, moi qui n'aimais pas les japonais, c'est en passe de devenir ma nation préférée. Je fais rarement de mauvais résultats avec eux. Et dans ce jeu, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 6 kills. Alors, je termine pas à une très bonne place, hein, je suis 7ème. Donc, mais malgré tout, enfin, je ne suis pas mort. Et voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Je m'en tire relativement bien au niveau des crédits. 20 000, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est quand même ça. J'ai une activité honorable, 82%. Et j'ai terminé le moteur du Shito Late. Donc je peux acheter quelque chose de nouveau. Oh mais il y a des obus, j'avais pas vu. Waouh, 157, 105. Et en plus je peux les acheter tout de suite. Oh, ça c'est que du bonheur. Bah, ou alors c'est nouveau, ça c'est. Ou alors j'ai vraiment du caca dans les yeux. Allez, un moteur, j'en ai besoin. L'artillerie, ça pour l'instant, c'est pas mon truc. Comme je fais plutôt du sniping avec lui. Donc, des munitions coup. À savoir, ça. Alors, voyons voir ce que ça fait. Modification. Alors, les munitions APHE, 78 à 2000 mètres, 137. Et ça, 157, 105. Eh ben, je crois que on va prendre des munitions coup, hein, c'est clair. Bon, bah ça sera pour la prochaine bataille. Donc, franchement, c'est un jeu totalement basé sur le camping. J'ai rien fait d'autre que de camper derrière une corniche et j'ai tiré sur tout ce qui bougeait, enfin tout ce que je pouvais voir. Et finalement, je m'en suis relativement bien tiré, puisque, comme je vous dis, j'ai survécu. Donc, on va regarder ça. Allez, c'est parti pour le replay. Donc, oh, je sais même plus comment je vais le renommer. Ça va être un Banzai, Banzai Forever. Parce que, finalement, des Banzai, j'en fais plein, des vidéos Banzai. Et oui. Et à ma grande surprise, oui, je dois l'avouer, j'aime bien les chars japonais, mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors, dans War Thunder, les actualités. Ben, les actualités, c'est la grosse. Enfin, pour moi, c'est une grosse surprise, j'y croyais plus. C'est le fait qu'on va avoir les avions français. Oh! Alors, ce qui est con, c'est que je ne joue pas aux avions dans ce jeu. Je dois avoir deux mains gauches quand je pilote un avion. Moi, je fais plutôt ça. Pour détruire une cible. Bon, allez, on va accélérer un petit peu histoire d'aller directement sur notre lieu de chasse. C'est une carte assez classique et vous savez qu'ici il y a un petit spot assez intéressant qui est là, voilà, et où on peut effectivement tirer les gens comme des lapins, mais à condition, je le dis quand même, hein. Bah de jouer correctement parce que c'est aussi l'occasion généralement de mourir très rapidement. Donc je commence par me mettre dans un coin entre guillemets relativement safe et je vois qu'ici bah, je n'ai pas de vue sur ce que je veux tirer. Donc on va opter pour un retrait stratégique. Et pardon, ouais. J'avais pas vu l'autre qui est un anti-aérien mais qui tire sur les KV-1 à 2000, à 1000 mètres. Et là, ouais, dans ce jeu-là, un simple sapin, ça peut vous faire chier. Donc j'avoue, ces deux cibles-là sont les deux cibles les plus chiantes que j'ai rencontrées, parce que. Là, vous voyez, je tire sur le rebord de l'armure
Et donc, ben, alors là, le mec, je le trouve hyper, hyper audacieux. Parce que se mettre sur la plateforme, là, à la vue de tout le monde, il faut vraiment qu'il ait confiance dans son armure, le gars. Mais ça, c'est plutôt un combat à longue distance, vous voyez. Et là, pour l'instant, j'arrive pas à viser, à avoir une visée correcte. Ah, là, il y a quelque chose. Un bout d'armure, mais le mec est trop rapide et moi, j'ai une toile qui tourne pas assez vite. Voilà. Donc là, on essaye. Et là, au miracle, un coup. Voilà. Premier coup. Alors vous allez me dire pourquoi tirer à la mitrailleuse, j'en sais rien, mais c'est toujours dans l'espoir de toucher, de voir si on touche une cible et donc de voir s'il y a une cible quelque part. J'espère pas détruire un KV1 avec un tir de mitrailleuse de 7 mm. J'essaye simplement de voir si elle passe et donc si une balle passe, un obus peut passer aussi. Voilà. Donc là, il revient se mettre. Et là... Pour mon troisième ou quatrième coup, le coup de maître, je passe le blindage, enfin. Donc, vous voyez, les arbres y tombent, c'est chiant. C'est casse-pied parce que ça gêne vraiment la vue, hein, c'est pas comme dans... Et le M10 a commis l'erreur fatale, un obus, un mort. Ça, c'est la politique de War Thunder. Ici, c'est pas de quartier. Et moi, vous voyez, je pensais qu'il allait continuer, mais il continue pas. Équipage hors de combat et de 3. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas là, c'est vraiment pas l'usage tactique du char dû à la mobilité, le contournement. Non, là, c'est simplement. Le char qui profite de son bon canon, de sa relative forte pénétration du blindage à longue distance pour utiliser son point fort, c'est-à-dire une capacité à détruire les cibles, même blindées, de loin. Donc voilà, j'optimise le travail. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce char a un gros problème à mes yeux, enfin c'est à mes yeux. C'est que la tourelle tourne très lentement, il est relativement bateau, je dirais. Le canon est chargé. Quatrième. Bingo. Donc, c'est vraiment de ce qu'on appelle sur les fêtes foraines du tir au pigeon. Hein. Vous avez des gens qui apparaissent un petit bout de temps. À une distance relativement loin, et là vous tirez dessus en espérant gagner le cocotier, le petit ourson pour donner à la personne qui vous accompagne. Et donc là en fait je fais le jardinier, j'enlève les arbres, je tire un obus dans le... Donc lui se démerde pas mal parce que là c'est pareil, ce M6A1 qui est quand même pas le blindé, c'est un char lourd, mais il est quand même pas si lourd que ça. Va mettre en échec mon canon et mes obus pendant quelques minutes, enfin pendant quelques tirs. Voilà, et donc là en fait j'ai le canon qui est endommagé, j'ai première réparation, mais je suis vivant. Donc c'est quand même la chose à noter. Donc là, on va pas se laisser faire. Là, vous voyez, j'ai un petit point là. Ça doit être dans la dépression. Et là, yes! Cinquième kill. Bon, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir parce que
faire une partie avec un seul char dans War Thunder, faut, bah, c'est quand même pas trop mal. C'est une petite satisfaction. Quand franchement, vous enchaînez 3 chars en 20 secondes, vous vous dites enfin je réussis à faire un match avec un seul char. Je suis content. Parce que parfois, c'est je fais un match et je meurs avec mon petit TD au bout de 10 secondes. Je meurs avec mon char médium. Ah, très belle action de celui-là, là, du Sherman VC, qui va en fait le contourner, le détruire comme ça. Très belle action. Là, je lui ai dit, GG Sherman, normalement. Dans le chat, peut-être. Bon, je lui ai dit, mais bon. Ça n'apparaît pas, c'est bizarre. Donc là, il n'y a plus personne. Et donc, je vais faire un peu comme mon camarade. Je vais monter sur la plateforme. Et là, oh là là, mon Dieu, plein de cibles. Et là, oh bah je suis triste parce qu'en fait j'ai rien touché là. Et Vlad 6ème, allez. Et hop, équipage hors de combat, 6ème, voilà. Donc la fin c'est la fin. Là je suis touché, je suis endommagé, mais bon en fait je vais réussir à réparer. Et bah ça va se terminer comme ça, hein, simplement. Vous voyez, ça se répare au fur et à mesure. Les hommes d'équipage sont remplacés. Et voilà, allez, c'est reparti. Donc là, bah, l'autre va partir de l'autre côté. Et c'est fini. À partir de là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, j'avance pour voir un petit peu s'il y a quelque chose. Mais en fait, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Donc, on va dire quand même une bonne partie. Hein. Je suis assez content de moi. Je ne suis que 7ème, j'avoue. Mais bon, on va dire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sur 16. Bon, bah, je suis dans la première moitié. On a toujours la satisfaction que l'on peut avoir. Et être dans les... premier, dans la première moitié, c'est une satisfaction à ce jeu. C'est une très grande satisfaction quand on termine sur le podium, mais déjà, faire 6 kills à ce jeu, voilà, 0 mort, vous voyez, on va regarder. 0 mort, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Je suis le seul. Voilà, ah non, mais... Par contre, il en fait... Oh, il fait un kill. Il fait 2 assists, voilà. Ouais. Bon. Mais enfin, bon. Satisfaction, quand même. Bon. Alors. On en est où dans ces chars? Bon, donc, le... Chito. Eh ben. Au niveau des modifications, on a quasiment tout fait. On a gagné le type 4 coup. Qui là est un, pour le coup, c'est le cas de le dire, un super explosif. Et je dois dire que les obus japonais ont ça d'agréable, c'est qu'ils ont une bonne dose d'explosif. Donc quand ils percent, ça pète bien. Donc voilà. Et quand même, et surtout à 1000 mètres, 124 mm, ça veut dire que le Tigre 2, on peut le pénétrer. Ça veut dire que les principaux chars russes. Comme les T-34, tout ça, on peut les pénétrer, donc c'est très très agréable. Voilà. Un très très bon obus, ça. Franchement un très bon obus. Donc il est quasiment terminé. Donc qu'est-ce que je vais avoir après? Donc là j'ai encore pas mal de choses à faire avec ça. J'ai débloqué le M4A3, donc il faudrait que je l'achète, mais j'ai suffisamment d'argent. Mais j'avoue, je mets des sous de côté plutôt pour investir dans la branche allemande. Le Chito Light, je le développe hein, lentement. Hein, il faut que je le débloque. Ça va pas être tout de suite. Voilà. La modification, il va falloir que. Voilà, encore l'obus coup.
Et ensuite, donc, il me reste le Shiri 2. Bon, je suis pas trop mécontent, j'avance assez vite compte tenu du faible nombre de chars par rapport aux Russes, aux Allemands. Les Anglais, où j'en suis? Ben, j'en suis toujours au même endroit. Je les joue quasiment plus et j'arrive pas, enfin franchement, j'arrive plus à trouver un quelconque intérêt aux chars britanniques. Je les aime pas et eux, c'est vraiment clair et net. Les chars soviétiques. Alors, ça peut être parfois ultra performant, faire des trucs de ouf, et des fois, c'est à s'arracher les cheveux. Donc, c'est très. Mais ils ont des très bons canons à courte portée, c'est clair, et ils font très mal, et ça peut être potentiellement. Ce que j'attends avec impatience, le PT-76, l'ISU 152, mais surtout ce que j'attends, c'est le. Voilà, c'est des choses comme ça, le SU-100, le T-44 qui préfigure les premiers chars modernes russes, vraiment, enfin, les T-54, quoi. Ça, c'est des choses que j'attends avec impatience. L'IS-2, ouais, parce que ça va être l'IS-2, mais bon, je suis pas. C'est pas ma branche favorite. L'Allemagne, ah, Germania, ouais, alors que dire de la Germanie? Je suis content du Panther D, il fait quand même des bons trucs, enfin franchement, c'est sans commune mesure avec le Panzer 4J, qui était une daube patentée. Le Waffenträger, j'en suis extrêmement satisfait, parce qu'il est capable vraiment de faire des choses assez spectaculaires, mais comme d'habitude avec ce type de char, ils sont extrêmement fragiles, et enfin franchement, on peut se prendre, on peut mourir, et là c'est vraiment typiquement, les bombardements, on meurt vraiment très facilement lors d'un bombardement si on se prend un coup direct. Alors qu'un Panther, vous pouvez le laisser sous un bombardement, faut vraiment un coup direct sur une partie sensible pour qu'il meure. Alors, qu'est-ce que j'attends? Ça, Tigre 2. C'est pour ça que je le développe en premier. Et les chasseurs de chars, qui sont franchement mes petits chouchous. Et ensuite, le Panther A. Le Panther A, j'ai très 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 hâte d'y jouer, franchement. C'est pas pour dire, mais c'est vraiment... j'ai une grande hâte de jouer au Panther A et au Tigre 2. Voilà, ça c'est mes deux chars que j'attends avec beaucoup d'impatience. L'Amérique. Alors l'Amérique, bah, vous voyez mes préférences, hein, toujours les TD. Les chars lourds, parce que dans ce jeu, bah, avoir un peu de blindage, c'est pas désagréable. Ça évite de mourir comme une merde au bout de 3 secondes. Le M19, je l'avais déjà débloqué et il est complètement fini, je pense, hein, que je dise pas de conneries. Ah bah non, mais disons, je pourrais le jouer, hein, il me reste encore des choses à jouer. Mais en fait, c'est parce que je crois que dans cette équipe, j'ai remis le M15, voilà, donc c'est pas grave. Donc j'aurai ça, j'ai potentiellement 3 chars pour le niveau 4. Qu'est-ce que je jouerai après? Sûrement le scout, j'aime bien les scouts, et puis celui-là, un bon petit canon sympathique. Et en dernier, celui-là, parce que, bon, bah, j'avoue que je cherche pas trop le T-25 et le M-26, si le Pershing. Ouais, le Pershing, c'est quand même un char sympa. Voilà, je dirais que c'est un des premiers chars américains dignes de ce nom. Allez, on va dire que les Sherman avec les canons de 76 mm, ils étaient pas mauvais. Mais autrement, non, c'était pas franchement le top du char. Donc le M26, après les premiers, les M46, les M47, M48, M60. On arrive sur du moderne, là, clairement. Donc ça va pas être ma période préférée. Et au niveau des lourds, bah, le T26, parce que là, il est classé en lourd, et je dois avouer que c'est une vraie chienlit à détruire. Le T-34, là il y est aussi en char lourd, et bah, le bousin sur l'avant, il est quand même assez costaud. Hein. Il est même très costaud. Donc, assez impatient de jouer ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc un replay, encore une fois, des chars japonais, qui s'avèrent être des chars fort sympathique à jouer, doté de bons canons et surtout d'obus explosifs perforants, mais qui font la joie des tankistes amateurs. Et en tout cas, commence à faire bien la joie à moi. Les Anglais, laissez tomber. Les Russes, ouais, c'est cheaté, c'est russe, c'est normal. Les Allemands,
Après avoir, je dirais, souffert pour le rang, à partir du rang 3, on va dire quand même, c'est dur hein, avec ces chars-là, face au T-34, même à partir du rang 2, il y a les premiers T-34 et ça devient pas évident. On a enfin le plaisir voilà, de passer du Panzer III au Tigre. Là, c'est un vrai bonheur. Passer au Tigre, c'est que du bonheur. Un grand plaisir à jouer aussi l'anti-aérien avec le Whirlwind et Lost Wind. C'est vraiment des chars très sympathiques à jouer. Et après beaucoup de souffrances et de douleurs, on a enfin un Panther et là ça vaut le coup. Entre les trois là, TD, j'avoue que j'adore le Waffenträger. Là, bah, ils sont sympas, mais ça peut. Voilà. Mais j'aime bien celui-là. Franchement, je vais regretter de retrouver le Stourer Emil parce que j'aime pas trop ce style de char. Voilà, bon bah c'est tout. Et je suis content. Le Jag Panther, il y a ensuite le Ferdinand. Et alors là, franchement, j'ai hâte. C'est aussi le Jag Tiger. Là, franchement, le monstre de puissance qui est le Jag Tiger. Et bah ensuite, il y a un autre truc que j'ai envie de jouer, c'est vraiment ces petits trucs-là. Et celui-là en dernier avec le hot. Ça me dit bien. Voilà, c'était tout. Bah écoutez, bon, c'était pas franchement un truc très spectaculaire. C'était vraiment du camping à fond la caisse. Mais de temps en temps, le camping, le calme et le grand air, bah ça vous permet de rester vivant jusqu'au bout d'une partie, ce qui, dans ce jeu, je le répète, est sinon pas, peut-être pas un exploit, mais quand même quelque chose d'assez difficile à réaliser. Voilà, allez, à la prochaine tout le monde.